C'est donc parti. Bonsoir tout le monde. Le collectif Oblique première ce soir, 27 avril. Plusieurs mois de travail et sans doute des remerciements à l'appel. Qu'est-ce que c'est Oblique? Un collectif, une petite aventure et sans doute une volonté d'aller défricher des horizons du côté de la culture populaire, mais aussi du côté des sciences humaines ou de la philosophie, tout en essayant de garder un cap un peu politique, construire une réflexion, camper des problématiques, poser des tropes, avancer. On est ensemble ce soir, donc pour la première. C'est live centraux du mardi. Il y en aura un cette fois-ci, il y en aura un la semaine prochaine. Il vise à poser un petit peu notre thématique et à ouvrir les réflexions du côté des différents lives périphériques qu'on vous proposera tout au long de ces 4 semaines. Merci à ceux qui sont là de suivre ce début d'aventure. Et merci, un grand merci à Docteur Patakès pour son soutien au niveau de la technique. Je voulais commencer par lui, vraiment le remercier du fond du cœur. Et on aura l'occasion de présenter tout le monde tout au long de ce travail-là. Et je voudrais, s'il m'était permis, dédier ce premier live à mes enfants, à Roman et à Vadim. Générique. Première thématique. Poser cette première thématique. La monstruosité. Difficile comme thème. À l'appréhender, le tourner dans tous les sens. On a passé du temps à le tourner dans tous les sens. On a essayé de faire le tri, essayer d'égrener les pièges qui se posaient face à nous, essayer de camper la notion. Face à cette notion, deux pistes se sont ouvertes à nous. La première, celle de la bête de foire, celle du film de Friedkin, de Frix. Et la deuxième, sans doute, celle du prodige. Face à ces deux options-là, la nécessité d'aller creuser un petit peu du côté de l'étymologie, d'aller creuser du côté de l'histoire du mot. Et un grand merci à Mathieu Gou pour son soutien au niveau de cette question-là. Contrairement à ce qu'on a pu penser au début, la monstruosité n'est pas du tout liée à la monstration, n'est pas du tout liée à ce qu'on montre, ce qu'on présente. La monstruosité est liée à une anthropologie culturelle païenne, celle du prodige, celle du signe envoyé à. L'étymologie, c'est monere, en fait, le miracle, le signe divin, une espèce de point d'intersection entre le plan humain et le plan divin, un avertissement,
un être surnaturel, quelque chose de l'ordre du signe à interpréter. It was a nightmare. We have a 138 in progress. This is a dangerous group, groups that we're dealing with now. Et à partir de là, effectivement, la construction du démon dans le contexte culturel européen. Nico, en 1606, s'est un petit peu trompé. Il a rattaché la monstruosité à la morphologie monstro, monstras, monstrare, mais lui-même dérivé de monéo. Le sens est resté. Ça veut dire que le sens de contraire à l'ordre de la nature s'est imposé. La notion de laideur est attestée dès la quatrième édition du dictionnaire de l'Académie française. Monstre a repris la forme de monstrare, dérivé type intensif de monéo, par le latin chrétien, mais l'interpolation, la remotivation avec la famille de Montré est plutôt proche d'une étymologie populaire. On s'est donc bien retrouvé face à une percussion entre une appréhension de sens commun, le fait de montrer, et l'appréhension réelle qui était celle du signe envoyé à. On voit bien qu'on est ici face à une problématique qui puise ses sources du côté d'une anthropologie religieuse. Le monstre, le démon, le daimon du côté de la tragédie grecque. Non pas le destin, comme on l'a faussement interprété, mais une intervention random, une intervention au hasard, la place des dieux du côté du destin des hommes ou du côté de la vie des hommes. Quelque chose comme ça. Cette intersection entre les plans humains et les plans divins est fondamentale parce qu'elle nous amène du côté du prodige, elle nous amène du côté de ce qui surgit, du côté de l'événement, le monstre comme un événement. Et effectivement, partir de là, c'est interroger et mettre à distance dès le début une problématique qui nous semblait venir de soi, qui était celle du bien et du mal. Non, pas de bien et de mal dès le début, mais plutôt un surgissement qui peut aller du côté de la catastrophe ou du côté de l'événement bienheureux. Intéressant. Et doublement intéressant puisqu'il nous permet de mettre à distance très vite le paradigme chrétien et à envisager la possibilité de construire une anthropologie culturelle sur d'autres bases. Je voudrais faire un détour par le Japon et je voudrais vous faire écouter les mots de Matthias Hayek dans une conférence très intéressante autour du surnaturel et du Japon. Et écoutons Matthias Hayek. Ça commence comme ça. Pourquoi faire ce détour-là ? Pourquoi passer par le Japon ? Se rendre compte que du côté du Japon, et on aura l'occasion de développer ça au cours d'un live périphérique et d'essayer d'appréhender non seulement un champ lexical, le yurei, le fantôme, le bakemono, le yokai, mais aussi appréhender une anthropologie culturelle. Alors bien sûr, passer par des gens qui seraient susceptibles d'être familiers vis-à-vis de la langue japonaise et de cette anthropologie religieuse très particulière qui existe au Japon.
Mais ce qui nous paraissait intéressant ici, c'était d'envisager en fait le yokai, là en l'occurrence, à la fois comme un événement, comme un phénomène et comme un représenté. Et la façon dont en fait le yokai passe dans la à partir d'un fait de réalité dans un univers de représentation par le biais non seulement d'une rumeur mais aussi d'une colonisation de la langue et des représentations par une certaine religion, par une certaine approche. Et il est évident que dans le contexte européen, par exemple, prenons quelque chose comme le Graal. Le Graal était une récompense qui était donnée à l'issue d'un tournoi de chevalerie. On est dans un univers celte et c'est seulement après qu'il va y avoir une colonisation de cet imaginaire par l'univers chrétien et une définition du Graal, de l'ordre christique, en fait, comme la coupe dans laquelle aurait bu le Christ le dernier soir avant sa mort. Et ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, c'est d'envisager la façon dont un certain nombre de phénomènes naturels peuvent, par la langue, par les histoires racontées, envahir un certain nombre d'imaginaires, prendre leur place au sein d'une structure. Et ça, c'est vrai que c'était un premier point qui nous paraissait intéressant. La monstruosité. L'envisager comme un prodige, l'envisager comme un surgissement, comme un événement, mais l'envisager aussi comme une forme d'irrésistibilité. L'envisager comme une géographie, celle des seuils, celle du labyrinthe, celle de la frontière. Si le Troyen dans la guerre de Troie n'est pas le radicalement autre, en revanche, Ulysse, lui, se retrouve confronté à une série d'épreuves qui sont le passage du côté du radicalement autre, la mort, le nomadisme, les dieux, le monde des dieux. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est de cheminer tranquillement depuis le surgissement, depuis le prodige, jusqu'à l'irréductibilité, et donc de pointer la place du pouvoir. Quelle est la place du pouvoir vis-à-vis du monstre? Qu'est-ce que la tératologie au XIXe siècle? Comment situer la réduction qui est faite par le pouvoir face à une réalité? C'était cet itinéraire-là qu'on voudrait vous proposer dans le cadre de ces deux lives. Le premier qu'on vous propose aujourd'hui, qui va nous amener du côté de la mythologie, qui va nous amener du côté de Carpenter, du côté de Pascal, et qui nous amènera à la fin sur la figure du méchant. Ce live est en préparatoire, et ce live devant nous emmener vers la question du pouvoir, qui est vraiment celle qu'on pointe derrière le monstrueux. Le pouvoir a besoin de construire du monstre, d'exclure en dehors des frontières, mais en même temps, il a besoin d'une préhension, et donc il a besoin de ramener de l'autre côté de la frontière la question du monstrueux. Cette espèce de dialectique-là qui va être présent tout au long, on va essayer de l'explorer pas à pas. Et pour ça, nous commençons notre petit parcours. Et je voudrais vous présenter mes camarades de ce soir. On est nombreux à avoir partagé cette aventure depuis le début. Je ne pourrais pas les citer tous, vous allez les découvrir au fil des semaines. Je voudrais au moins vous présenter Big Darsh, Nosferalis, Dr Patakès à la technique, Hipstery, Majax et Rafa pour ce soir, et les laisser dire un mot chacun sur ce qui les a intéressés un petit peu dans cet itinéraire-là et ce qu'ils vont pouvoir vous proposer aujourd'hui. Et ensuite, on attaquera vraiment. Majax, tu veux te présenter ? Bon, bah apparemment, c'est moi qui commence. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est professeur Majax. Du coup, moi, ce qui m'intéressait dans ce que je vais aborder ce soir, autrement dit, le surgissement de la monstruosité chez un auteur comme Lovecraft, c'est finalement à quoi renvoie la monstruosité ? Qu'est-ce qu'elle évoque chez l'homme ? Qu'est-ce que ça va provoquer dans cette confrontation à une altérité autre ? Du coup, j'essaierai de vous proposer un parcours, j'espère pas trop long, à travers l'œuvre de Lovecraft, à travers son esthétique, ses thématiques, et peut-être faire un petit crochet, si j'ai le temps, avec la trilogie de l'Apocalypse de Carpenter, qui est un cinéaste que j'affectionne particulièrement, et qui, pour le coup, est peut-être l'un des plus fidèles au Maître de Providence. Rafa ? Bonsoir, Rafa ici. Moi, je vais simplement lire un peu de Lovecraft et apporter quelques éclairages peut-être stylistiques à tout ce que dira Majax. Hipstery.
Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, pour ma part, une formation d'historien, je vais m'intéresser plutôt à la partie de la question, mais enseignant aussi la géographie, on va aborder ça sous la question notamment de la frontière, et donc pour cela, je vais me centrer sur une œuvre qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'Odyssée, et essayer de vous la faire découvrir aspect auquel on ne pense pas forcément de prime abord. Et puis peut-être qu'un peu plus tard, une de mes passions étant le comic book, on aura l'occasion de s'apesantir aussi là-dessus, notamment sur la figure de l'irrésistibilité à travers un personnage qui a marqué le comic book lors d'un événement dans les années 90, qui était le personnage de Doomsday, qui est une des figures du monstre. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Clément, Nosferalis. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais travailler avec Hipstery hein, sur la question mythologique et je vais passer par le détour de Thésée, qui est un héros que j'aime beaucoup, un mythe que j'aime beaucoup, et plus particulièrement la scène centrale qui est celle avec le Minotaure. Voilà, parce que c'est un, disons, mon monstre préféré. Voilà. Big Darsh. Alors moi, je vais parler un petit peu mythologie aussi, comme Clément de Sferali. Ce sera plus le croissant fertile, c'est-à-dire l'Égypte antique et le Sumer, qui va devenir l'Irak plus tard. Voilà, c'est les deux mythes que je compte aborder, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, on verra. Mais ça paraît que ça va se passer, parce que c'est des monstres qui sont, je trouve, très intéressants, parce qu'ils ne sont pas encore imprégnés par l'idéologie chrétienne, mais je trouve qu'ils ont potentiellement les deux à leur manière influencer la mythologie judéo-chrétienne qui viendra après. Voilà. Et du coup, j'en profite pour dire aussi qu'on associe à ce live Alphonsine qui nous a aidé du début à la fin dans sa préparation et dont vous pourrez entendre la voix et qui nous proposera quelque chose du côté de l'irrésistibilité et du personnage de Gisèle. C'est parti. Pascal Carpenter. La monstruosité. Bon, c'est à moi apparemment, du coup. Je vais vous proposer un petit cheminement à travers l'œuvre de Lovecraft. Je vais faire un petit rappel quand même de qui est Howard Philip Lovecraft, qui est quand même l'un des auteurs essentiels concernant la monstruosité au XXe siècle. Lovecraft, c'est un auteur qui, durant sa vie, va rester dans une désespérante confidentialité, qui va publier la plupart de ses nouvelles dans un magazine qui s'appelait World Tell, et qui finalement va gagner en renommée après sa mort. Lovecraft, c'est un auteur qui va mélanger plusieurs domaines. Il va mélanger à la fois la science-fiction, le fantastique et l'horreur. Ici, on va essentiellement nous intéresser à sa manière de déployer la monstruosité au sein de ce qu'on a appelé rétrospectivement le mythe de Cthulhu, bien que l'on réduise parfois trop souvent son œuvre à ce cycle et à cette classification qui est parfois un peu arbitraire, produite par ses prédécesseurs. Au passage, je profite pour vous recommander de lire le cycle de la Contrée des Rêves, cycle trop souvent oublié et pourtant absolument formidable. Dans ses nouvelles, souvent racontées à la première personne par un personnage souvent très générique, qui permet l'identification du spectateur, le lecteur est confronté à des créatures d'outre-espace, des entités si vieilles, si éloignées de nous, qu'elles prennent souvent le statut de divinité. Oscillant entre la science-fiction et le fantastique, le monstre Lovecraftien, au-delà de son esthétique sur laquelle nous reviendrons, devient le creuset des thématiques récurrentes de l'écrivain. Shoggoth informe caché dans des ruines antédiluviennes de l'Antarctique des créatures colossales à tête de sèche dormant dans une cité cyclopéenne engloutie dans des gouffres marins, ancienne civilisation extraterrestre voyageant à travers le temps et l'espace, créatures impies et indescriptibles, voilà tout ce qui attend dans l'univers de Lovecraft. Le monstre lovecraftien exprime le pessimisme cosmique de son auteur qu'il déploie à chaque nouvelle. « L'homme n'est rien », nous dit Lovecraft. Dans une lettre, il dit « L'homme est comme un polype de corail, destiné à construire de vastes édifices magnifiques, minéraux, pour que la lune se place à les éclairer après sa mort. Je ne peux m'empêcher de rire devant la prétention des intérêts humains à être d'une importance suprême,
lorsque, à travers des gouffres illimités de lumière insolite et d'obscurité hantée, soufflent les vents de l'éther, dont les habitants monstres et génies ailés ne connaissent pas le nom de l'homme. Alors, si vous voulez, l'univers lovecraftien, il est à la fois férocement matérialiste et hostile à lui, à l'homme, qui ne peut qu'entreapercevoir l'infinité à la fois spatiale et temporelle qui le submerge. Il n'est ni le début ni la fin du monde, et il n'en est même pas le sens. Sa raison comme ses sens sont incapables de saisir le spectacle cosmique dans son entièreté. Désespérément limité, l'homme lovecraftien ne peut que redouter la confrontation avec les manifestations d'un cosmos ineffable et insaisissable. Le monstre lovecraftien devient la manifestation des forces cosmiques, la fenêtre sur quelque chose qui dépasse et submerge, pour perdre l'homme dans un gouffre spatial, temporel et épistémologique. En cela, on peut voir dans la créature lovecraftienne la parfaite manifestation du pessimisme, que va développer Blaise Pascal dans les pensées. Difficile effectivement de ne pas penser à Lovecraft quand on lit certains passages, notamment la fameuse pensée qui concerne la disproportion de l'homme. Alors, pour ce lien, ce dialogue entre Lovecraft et Pascal n'est pas anodin, Lovecraft étant un érudit, un passionné de littérature, qui dans un guide de lecture cite allègrement les philosophes européens, la littérature française. Du coup, on peut imaginer que Pascal et ses textes lui soient arrivés. Du coup, j'aimerais juste vous faire entendre un petit extrait d'un texte de Pascal, La disproportion de l'homme. Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Que l'homme étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est. Qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature et que, de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix. Qu'est-ce que l'homme dans l'infini ? Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vie. Là, vous avez pu entendre un extrait de Pascal. Donc Pascal, c'est un auteur du XVIIe siècle qui se place à une époque charnière dans la construction des savoirs positifs, ce que nous nommerons la science moderne. Les anciennes représentations du monde viennent de voler en éclats. Au réconfortant cosmos sphérique et fermé hérité des Grecs, on substitue un univers infini, sans bornes et sans centre. L'anthropocentrisme vole en éclats, infligeant à la pensée humaine une blessure narcissique sans précédent. L'homme n'est plus le centre. On découvrira plus tard qu'il n'est ni le début, ni la fin du vivant. Il n'en est qu'une étape transitoire. À l'infini de l'univers répond l'infini du temps et l'infini de la matière. L'homme se réduit peu à peu à une poussière dans l'espace-temps. Pascal en tire un pessimisme terrifiant. Il nous dit « Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. » Le caractère misérable et atrocement limité de l'homme le place dans un désespoir terrible. Créature pensante, se sachant incapable d'embrasser les merveilles du monde, de donner du sens à ce qui le dépasse. La science, pourtant essentielle pour Pascal, doit reconnaître la vanité de son projet à vouloir tout saisir. Cependant, chez Pascal, il reste deux choses à l'homme.
Il est d'un côté un être de pensée, un roseau pensant, et en cela, il peut en tirer une certaine dignité face à l'hostilité des forces irrésistibles de l'univers. Et surtout, il y a Dieu. Lui aussi résiste à l'examen rationnel. Son projet est inatteignable par la pensée humaine. Le salut est de son seul fait propre. Cependant, Dieu apparaît comme une lumière au milieu du désert sans bornes que représente l'univers terriblement silencieux. Pascal nous dit dans une autre pensée « Le silence de ces espaces infinis m'effraie ». Cette simple phrase, c'est le cri de désespoir de la créature humaine, jetée dans un monde qui le dépasse de tous côtés, confronté à une immensité et des forces qu'il ne peut appréhender totalement par la pensée. Reporting District, Division Plus Master B. Prepare for launch in 3, 2, 1. It was a nightmare. We have a 138 in progress. This is a dangerous group. Groups that we're dealing with now. Viendra du pari, celui de l'existence d'un créateur de toutes choses et du salut après cette vie. Malheureusement chez Lovecraft, Dieu n'est pas présent. Il n'y a pas de pari, pas de pensée réconfortante pour le personnage lovecraftien. Le silence des espaces infinis devient assourdissant. Pire, il est brisé par le chuintement, les borborygmes et les sons innommables de créatures surgies des gouffres du temps et de l'espace. La monstruosité lovecraftienne se fait alors écho de cette terreur devant l'insignifiance de l'homme, ce que Pascal appelait la disproportion de l'homme. Contrairement au fantastique classique, caractérisé par une nette tendance à l'indétermination, le monstre lovecraftien est basé sur une esthétique de l'expressivité où le narrateur tente de décrire de manière photographique ce qui relève paradoxalement de l'indescriptible. Tentative souvent vaine et désespérée d'une description tératologique précise face à l'indicible. Il reste que parfois, la description se fait longue et précise, de manière quasi scientifique. Certains monstres lovecraftiens en deviennent moins terrifiants et plus porteurs d'une inquiétante étrangeté que d'une monstruosité hostile. C'est le cas particulièrement de la grande race de Yit, ou des anciens dont l'apparence et la civilisation sont extrêmement documentées et décrites, au point où elles deviennent plus proches, plus familières, moins effrayantes. Cependant, elle conserve néanmoins une distance irréductible avec l'homme. Ce ne sera pas le cas des Shoggoths, des avatars d'aimants de Nyarlathotep, du rejeton de Yog-Sothoth arpentant la campagne de Dunwich, des infâmes polypes ou des horribles migots de Pluton. Parfois, c'est même une couleur indescriptible venue d'une météorite qui menace l'humanité. La description se fait moins scientifique et plus terrifiante. Le personnage lovecraftien est confronté à une anomalie dans la conformation des choses, une monstruosité qui s'écarte à tel point des critères auxquels l'esprit humain pourrait se référer, qu'elle dépasse toute description. La monstruosité s'exprime par l'impossibilité radicale de lui donner un nom, de le mettre en mots. Selon Denis Moreau, Lovecraft explore, selon lui, les limites du dicible, du langage, ce qui se traduit à travers l'élaboration d'un discours monstrueux qui fait sens non en termes de signification, mais de présence. Les sons émis par les créatures lovecraftiennes, ces langages venus d'un autre monde, ces borborygmes, ces noms exotiques imprononçables, sont autant de témoins d'une monstruosité investissant le langage lui-même.
Ainsi, le surgissement du monstre est souvent annoncé par des bruits impies, des reptations infernales, des suintements démoniaques ou même des sons défiant la pensée. Le Shoggoth, masse protéiforme indescriptible, amas de chair, d'yeux et de bouche, s'annonce par un tekili funeste. La monstruosité lovecraftienne s'installe dans un double mouvement paradoxal. Il est à la fois une dialectique du haut et du bas, et pris dans un dispositif d'attraction et de répulsion. La verticalité du monstre lovecraftien se comprend à travers leur nature souvent extraterrestre. Tulu, les choses anciennes, les yitiens, les polypes et une grande partie du bestiaire du mythe ne sont pas de notre monde. Ils viennent de l'espace, de lieux trop éloignés et trop étranges pour l'homme. Paradoxalement, venue d'en haut, l'horreur lovecraftienne surgit du bas. Condamnées par le temps ou des puissances inconnues, elles sont souvent cachées, recluses ou enfermées dans des lieux reculés, cachés à la vue des hommes. Cités antiques englouties par les eaux, ruines dans le désert, gouffres abyssaux, forêts sauvages et hostiles, le monstre lovecraftien venu d'en haut émerge du bas, se dévoilant peu à peu. D'abord comme présence qui contamine l'espace et l'esprit, puis se révélant tout entier et amenant la terreur. Cthulhu, dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu, s'annonce d'abord par la folie qui ravit les esprits des artistes et des poètes. Ensuite, une vague sacrificielle menée par ses fanatiques. Et enfin, un jaillissement progressif des entrailles de la cité de Rie. Une couleur aussi venue d'outre-espace se cache dans le puits d'un fermier, transformant la flore, la faune et enfin l'esprit pour finalement jaillir dans une explosion finale. Ce qui vient d'en haut se cache en bas et est animé par ce mouvement incompressible de retrouver sa place. Il y a, note Laurie Guillot, une verticalité menaçante, une menace archaïque, une antiquité hideuse menaçant d'investir la terre des hommes. Mais le monstre lovecraftien, aussi terrifiant que repoussant, menaçant l'homme d'une contamination psychique et corporelle, ou le menaçant de destruction radicale, se retrouve dans un dispositif d'attraction et de répulsion. L'attraction, elle est souvent le fruit de l'appétit des hommes pour la connaissance, la fascination pour l'étrange et l'inconnu. Une vanité souvent durement punie chez Lovecraft, le monstre entend des lieux souvent éloignés, inaccessibles, cachés, témoins d'un passé depuis des éons oubliés. Manifestation d'une histoire secrète, le topos lovecraftien attire et fascine l'homme, provoquant chez lui une attirance irrésistible. Parfois, le monstre est moins caché dans un lieu que dans les recoins d'une incantation impie, d'un livre interdit contenant des savoirs qui devraient rester à jamais hors d'atteinte, comme le célèbre Necronomicon. La monstruosité est souvent la destination de ce désir de connaissance, marquant à la fois la transgression d'une limite interdite à l'homme et une sanction à une curiosité se trouvant humiliée. Cette attirance se conclut souvent par cette répulsion de la monstruosité mise à nu, de cette chose qui rôdait entre les dimensions ou les ruines oubliées. Ces lieux et ces livres provoquent une anamnèse des temps anciens qui menacent la raison humaine, remet en cause à la fois le sens et l'existence même de l'homme. Toujours, selon Laurie Guillot, la descente vers les profondeurs est à la fois archéologique et eschatologique, car en dessous du monde sont cachées des divinités plus vieilles que l'homme, prêtes à déferler au dehors pour reconquérir leur bien. La monstruosité lovecraftienne, si elle exprime parfaitement le sentiment pascalien de l'homme limité face à l'immensité de l'univers, exprime une horreur cosmique humiliant, toute la dimension humaine, incarnation à la fois de sa finitude et de sa fin. Le monstre n'est finalement monstrueux que dans le regard saturé et impuissant du narrateur humain. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Lovecraft et son imaginaire va irriguer le cinéma d'horreur et de science-fiction. J'aimerais insister sur un réalisateur qui est cher à mon cœur, John Carpenter. Dans sa trilogie de l'Apocalypse, composée par The Thing, Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie, Carpenter revendique clairement l'héritage lovecraftien. Cette trilogie n'est pas un triptyque pensé volontairement, mais a été a posteriori regroupée par leur thématique. Les trois films ne partagent aucun personnage, ne relèvent
pas du même univers et n'ont même pas le même scénariste. Cependant, ce qu'ils ont en commun, c'est le thème de l'apocalypse, chaque film distillant à sa façon son eschatologie, chacun étant une étape vers la destruction d'une dimension de l'homme. Dans The Thing, on retrouve de manière frontale toute l'esthétique lovecraftienne, au point où le film est souvent considéré comme le film le plus lovecraftien du 7e art. Une équipe de chercheurs en Arctique est confrontée à un être venu de l'espace, s'étant perdu sur Terre il y a 100 000 ans. Congelée dans la glace, la créature est réveillée de son sommeil par une équipe norvégienne qu'elle va décimer avant de s'en prendre à la base américaine. Pouvant prendre l'apparence de n'importe quel être vivant, créature polymorphe et suintante, proposant des hybridations cauchemardesques, on retrouve à la fois la peur de la contamination, mais aussi l'entrebâillement vers un ailleurs cosmique et vertigineux. Évoquant le Shoggoth, la chose dans sa première apparition se révèle dans toute sa crudité, jaillissant des entrailles d'un chien. Malgré sa monstration franche, impossible pour le spectateur d'en saisir tous les contours de ce chaos de chair. Elle remplace peu à peu les membres de l'équipe sans que nous sachions ce que deviennent les contaminés. Sont-ils assimilés, remplacés, toujours en vie, nul ne le sait. Mais la chose opère une double contamination. Elle envahit les corps, tandis que la paranoïa commence à infester l'esprit. The Thing, c'est l'eschatologie des corps de chair et de l'individu qui sont dissous par la créature. Si elle atteint la civilisation, cela sera la fin. J'aurais bien aimé pouvoir développer sur les deux autres films qui sont tout aussi passionnants, mais peut-être que je vais me réserver ça pour plus tard. J'aimerais juste vous laisser sur, pour moi, ce qui constitue l'un des extraits les plus iconique de The Thing, un extrait où la chose ne se dévoile que partiellement, et pourtant, comme chez Lovecraft, c'est par le bruit, par le son, que l'on va pouvoir entreapercevoir une fenêtre vers un cosmos hostile. Pardon, je me suis coupé. Pardon, excusez-moi. Vers un cosmos hostile et plus grand que nous. I gotta get some sleep. Gary, we'll meet in Blair's room. It's Bennings. Bennings was right there, Mac. I swear to God, it had a hold of him. Had more time to finish, it would have looked and sounded and acted just like Bennings. I don't know what you're saying. That was one of those things out there, trying to imitate him, Gary. Thank you.
préciser quelque chose. Faut bien comprendre que Lovecraft ne surgit pas de nulle part. C'est pas une instance qui apparaît d'un seul coup dans le ciel. Et que sa thématique est déjà perceptible dans certains auteurs qui l'ont précédé. Notamment, on va repartir de le Tekilili qu'a cité Majax tout à l'heure, qui est le bruit que font certaines créatures dans les montagnes de la folie. Ce Tekilili, c'est une référence directe à un autre texte d'un autre auteur américain, Edgar Allan Poe, que vous connaissez sans doute déjà toutes et tous. Et ce Tekilili, c'est ce qu'entend le narrateur du texte, le récit d'Arthur Gordon Pym, qui est un texte qui a été publié par Poe dans les années 30-40, je ne sais plus la date exacte, petite recherche rapide, 38. Ces aventures d'Arthur Gordon Pym font le soubassement de ce que Lovecraft va créer. Mais il ne va pas simplement s'inspirer de cette aventure-là, qui sont les aventures d'un narrateur en Antarctique et qui va rencontrer d'horribles choses, mais il va aussi prendre appui sur un auteur britannique cette fois-ci, un certain Dunsany, qui écrit au tout début du XXe siècle, à la toute fin du XXIe siècle, il écrit un recueil qui s'appelle « Les dieux de Pegana ». Et « Les dieux de Pegana » est un recueil très mystérieux où Dunsany décrit comme s'ils existaient des dieux plus anciens, plus profonds, plus puissants, plus ultimes que les dieux du monde connu. Et ceux-ci sont en train d'ordonner la vie humaine. Le recueil « Les dieux de Pegana » s'ouvre avec la description d'un tout premier dieu qui s'appelle Mana Yod Sushai et qui est un dieu qui dort et qui dort en rêvant le monde. Et le jour où il se réveillera, le monde disparaîtra et il rêvera après un autre monde, d'autres dieux, d'autres humains. On a déjà la dimension cosmique que Lovecraft va reprendre à son compte après. Quelque chose d'amusant, et je vais en parler après à partir de la nouvelle The Shadow Out of Time, c'est que dans la mythologie même de certains monstres de Lovecraft, ici la grande race ancienne, on a une référence à ça, au monde du rêve des aborigènes australiens, quand le narrateur explique que les aborigènes australiens imaginent un vieil homme gigantesque qui dort et qui, le jour où il se réveillera, dévorera le monde. Donc on a d'ores et déjà un rapport d'intertextualité assez fort chez Lovecraft avec tout le reste de son de la littérature aux alentours. Ça, c'est d'un point de vue littéraire. D'un point de vue social, ou plutôt culturel, mettons, Lovecraft n'arrive pas par hasard non plus. On pourrait dire cependant que Lovecraft est une anomalie dans le paysage littéraire américain. Et c'est une anomalie parce que il écrit dans un domaine particulier, d'une façon particulière qu'on pourrait rattacher à la façon victorienne d'écrire, avec la peur de la dégénérescence, la peur de l'autre, la peur de l'animalité. Et d'une certaine façon, Lovecraft est décalé au XXe siècle. Il aurait beaucoup plus appartenu au XIXe, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle il a eu un succès si faible de son vivant. Voilà pour un peu de contexte. Maintenant, je voudrais, avant de faire quelques remarques d'ordre stylistique sur le texte, vous proposer une lecture du tout début de la nouvelle « La couleur tombée du ciel ». C'est une lecture en anglais. Je vais vous lire le tout début, les 2, 3, 5 premiers paragraphes. Ils me semblent très pertinents parce qu'ils vont montrer quelque chose que Lovecraft, et je ferai des remarques stylistiques derrière, mais ils vont effectuer quelque chose que Lovecraft fait toujours, c'est-à-dire poser une histoire dont on a déjà la sortie
et faire une reconstruction derrière. De sorte que son récit, ici, va s'apparenter à une sorte d'énigme policière dont on a déjà une solution proposée. Pour rappel, et Majax vous en a déjà parlé, La couleur tombée du ciel raconte l'histoire d'une météorite qui s'écrase dans une ferme, dans un puits à côté d'une ferme, et qui va contaminer l'ensemble de la région proche pour retourner dans l'espace. Et voici le début du récit, c'est la toute première partie, les deux premières pages. West of Arkham, the hills rise wild. And there are valleys with deep woods that no axe has ever cut. There are dark, narrow glens where the trees slope fantastically and where thin brooklets trickle without ever having caught the glint of sunlight. On the gentler slopes, there are farms, ancient and rocky, with squat, moss-coated cottages, brooding eternally over old New England secrets in the lee of the great ledges. But these are all vacant now. The white chimneys crumbling and the shingle sides bulging perilously beneath low gambled roofs. La couleur tombée du ciel. Traduction par Jacques Papy et Simone Lamblin. À l'ouest d'Arkham, les collines sont sauvages et il est des vallées dont les bois profonds n'ont jamais subi la hache. Il est d'étroites et sombres gorges, où les arbres s'inclinent bizarrement, où de minces ruisselets filtrent sans avoir jamais reflété l'éclat du soleil. Sur les versants, plus doux, d'antiques fermes branlantes ou chaumières trapues, couvertes de mousse, ruminent éternellement les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre, à l'abri de grandes corniches rocheuses. Mais toutes sont vides à présent. Leurs larges cheminées s'effritent, et leurs flancs, recouverts de bardeaux, bombent dangereusement sous les toits bas. À double pente. The old folk have gone away, and foreigners do not like to live there. French Canadians have tried it, Italians have tried it, and the Poles have come and departed. It is not because of anything that can be seen or heard or handled, but because of something that is imagined. The place is not good for foreigners. The place is not good for imagination and does not bring restful dreams at night. It must be this which keeps the foreigners away, for old Amy Pierce has never told them of anything he recalls from the strange days. Amy, whose head has been a little queer for years, is the only one who still remains, or who ever talks of the strange days, and he dares to do this because his house is so near the open fields and the traveled roads around Arkham. Les gens d'autrefois s'en sont allés, et les étrangers ne veulent pas vivre là. Des Canadiens français ont essayé, des Italiens et des Polonais sont venus et repartis. Donc il y a quoi que ce soit qu'on puisse voir, entendre ou toucher. C'est quelque chose qu'on imagine. L'endroit ne vaut rien pour l'imagination et n'inspire pas la nuit de rêves reposants. Cela doit être ce qui éloigne les étrangers, car le vieil ami Pierce ne leur a jamais raconté ce qu'il se rappelle de ce diable de temps, ami, dont l'esprit est un peu dérangé depuis des années, et le seul qui reste ou qui parle toujours de ce diable de temps. Il ose le faire parce que sa maison est très près des champs découverts et des voies fréquentées autour d'Arkham. Premier paragraphe, je vais m'arrêter là tout de suite. Ça serait trop long. Quelques remarques tout de suite sur ce récit. On voit déjà plusieurs choses. D'abord, le fait que le narrateur n'est pas le spectateur premier de la chose. Sinon, on aurait Amy. Deuxième chose, la parole rapportée, celle d'Amy, qu'on aura ensuite. Enfin, la peur de l'autre. Il est de notoriété publique que Lovecraft avait des affinités avec des idéologies quelque peu, disons, le raciste. On la voit ici avec l'article défini « the » devant « Poles », qui est assez amusant. « Italians and French » n'en ont pas, mais « Poles » en a, ce qui insiste sur son exceptionnalité. On a le rapport à la terre, le rapport à l'ancien, le rapport à la coutume d'une certaine manière, avec « the old folk have gone away ». Mais surtout,
on a la construction d'une temporalité qui est brisée. La temporalité chez Lovecraft est souvent une temporalité qui est ou qu'un événement est venu casser. Et c'est pour ça que ces narrations sont généralement des narrations rétrospectives. Ici, je lirai un autre paragraphe pour le prouver, mais ici, la narration est une narration qui s'établit a posteriori. Toute l'affaire est déjà élucidée, toute l'affaire a déjà eu lieu. C'est donc un autre regard qui est porté dessus. On a donc un narrateur qui, quand il ne disparaît pas en criant « Yaya Astur » dans les airs, est un narrateur qui va reconstruire pour nous non seulement le traumatisme, mais sa résolution. Ici, le traumatisme est passé sous l'euphémisme « Strange Days » dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, et ça c'est le style lovecraftien, il faut savoir que c'est un style qui va abonder en adjectifs. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire chez Lovecraft, parce que on a souvent entendu lu du Lovecraft en disant ben voilà, c'est la description de l'indicible, de ce qui ne peut pas être vu, de ce qui ne peut pas être décrit, de ce qui ne peut pas être dit parce qu'il n'y a pas de mots. Lovecraft en met des centaines. Lovecraft utilise des adjectifs. Or, ça, c'est quelque chose qui doit nous avertir et nous alerter. On va suivre la leçon de Barthes. Ici, il faut se méfier des adjectifs. Ce sont des adjectifs menteurs. Et en fait, derrière la surpopulation d'adjectifs que le texte lovecraftien déploie, il y a aussi la faillite du langage à préciser. Car les adjectifs sont à la fois toujours redondants. Dans The Shadow Out of Time, on a un nombre de cyclopéens qui revient assez incroyable. Je crois qu'en 50 pages, l'adjectif revient plus de 10 fois, ce qui est énorme en termes de quantité pure. The horror, horrible, horrible, tout cela revient tout le temps. Donc cette répétition du langage, c'est pas seulement la faillite lovecraftienne qui n'a pas de vocabulaire, c'est clairement pas ça, c'est aussi la faillite du langage à décrire quelque chose qui ne peut pas être décrit. L'adjectif lovecraftien n'est qu'une approximation, n'est qu'un moyen de toucher du doigt le monstrueux, ou ce qui est désigné comme étant monstrueux, sans jamais pouvoir réellement le montrer. Et ainsi, le monstrueux refait ce qu'il faisait tout à l'heure, il est à montrer, il est signalé, mais il n'est jamais perçu. Et cette débauche d'adjectifs, on la voit ici au tout début de la nouvelle. « The hills rise wild, deep woods, narrow glens, slope fantastically, glint of sunlight, trim, etc. etc. » On a donc une description qui est une description gothique. Et de la façon, Lovecraft se réintègre dans cet héritage gothique, qui est un héritage en 1927, puisque c'est la date de La couleur tombée du ciel, la date de la parution de La couleur tombée du ciel, le gothique est déjà dépassé, il est déjà fini, il est déjà terminé, en réalité, à cette époque-là. Avant de terminer sur La couleur tombée du ciel, je voudrais vous lire un deuxième paragraphe de ce même texte, toujours de l'introduction, pour vous montrer combien le narrateur triche avec nous. « It was then that I heard the story, and a trembling voice crept and whispered on, I shivered again and again despite the summer day. Often I had to recall the speaker from ramblings, piece out scientific points which he knew only by a fading parrot memory of professor's talk, or bridge of gaps where his sense of logic and continuity broke down. When he was done, I did not wonder that his mind had snapped a trifle, or that the fork of Arcane would not speak much of the blasted heath. I hurried back there before sunset to my hotel, unwilling to have the stars come out above me in the open. The next day, returned to Boston to give up my position. I could not go into that dim chaos of old forest and slope again, or face another time that great blasted heath where the black well yawned deep beside the tumbled bricks and stones. The reservoir will soon be built now, and all those elder secrets will be safe forever under watery fathoms. But even then, I do not believe I would like to visit that country by night. At least not when the sinister stars are out and nothing could bribe me to drink the new city water of Arkham.
C'est alors que j'entendis l'histoire, et pendant que la voix, grinçant et chuchotant, poursuivait son discours décousu, je frissonnais plus d'une fois, même en ce jour d'été. Il me fallut souvent tirer le compteur de ses digressions, compléter des détails scientifiques qu'il ne connaissait que par le souvenir formel et fugitif de propos de spécialistes, ou combler les brèches où échouait son sens de la logique et de la continuité. Quand il eut fini, je ne m'étonnais plus que son esprit soit quelque peu fêlé, ou que les gens d'Arkham ne veuillent pas trop parler de la lande foudroyée. Je regagnais en hâte mon hôtel avant le coucher du soleil pour ne pas voir surgir les étoiles au-dessus de moi, en terrain découvert. Et je rentrai le lendemain à Boston pour donner ma démission. Je n'aurais pas pu entrer de nouveau dans le chaos obscur de cette vieille forêt abrupte, ni affronter une fois de plus cette grise lande foudroyée où baillaient les profondeurs du puits noir, près des briques et des pierres écroulées. À présent, le barrage sera bientôt construit, et tous ces vieux secrets, à jamais en lieu sûr, sous des brasses d'eau. Mais même alors, je ne crois pas que j'aimerais visiter ce pays, la nuit. Du moins, quand les sinistres étoiles sont levées, et rien ne saurait me décider à boire la nouvelle eau de la ville d'Arkham. Narrateur triche parce que l'histoire est finie. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à retenir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas... un lecteur n'a jamais de capacité d'action. Un lecteur et une lectrice n'ont jamais de capacité d'action sur un texte. Mais là, on en aura encore moins. Il ne nous sera offert qu'une résolution. Il ne nous sera offert qu'une anamnèse, qu'un récit du passé qui servira à édifier, à effrayer, à raconter. Et à raconter quoi ? À raconter l'horreur. Et l'horreur, chez Lovecraft, et ça va être l'occasion d'utiliser la deuxième nouvelle sur laquelle je voulais me pencher un peu, l'horreur chez Lovecraft n'est pas une horreur au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une horreur qui va nous prendre aux tripes et nous effrayer parce qu'elle est radicalement autre et impossible. C'est une horreur qui va être incompréhensible. C'est une horreur cependant à laquelle, donner du temps, donner de la compréhension, donner de l'échelle, on peut s'habituer et qui deviendra normal. Et c'est tout à fait montré dans The Shadow Out of Time, l'ombre du temps, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, qui est un texte écrit dans les années 34-35 et paru, paru en 1936, où on a encore une fois ce même artifice d'une construction rétrospective, où le narrateur va revenir sur une expérience. Le texte de The Shadow Out of Time narre les aventures d'un certain... comment s'appelle-t-il déjà ? Nathaniel Wingate Peasley. Nathaniel Wingate Peasley, à qui il va globalement arriver une chose très simple. Un jour, il va tomber dans le coma. Sauf qu'il ne s'agira pas d'un coma normal, il s'agira d'un coma où il sera actif. Il s'agira d'un coma où une deuxième personnalité le saisira et fera des choses à sa place, et un coma qui durera 4 ans et quelques mois, au terme duquel il se réveillera sans aucun souvenir de ce qu'il avait fait pendant ces 4 ans. La description de ce coma et de la deuxième personnalité qui le remplace est assez rigolote et doit nous rappeler l'un texte encore plus fameux et encore tout à fait intéressant dont il sera peut-être question une autre fois, l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, où justement le Dr Jekyll est remplacé par Mr Hyde sans avoir vraiment conscience de ce qu'il fait, en essayant de racheter ce qu'il fait au fur et à mesure jusqu'à sa fin dernière. Et de la même manière que quand Mr Hyde prenait possession du Dr Jekyll, Mr Hyde était simiesque, déformé, horrible, poilu, petit, trapu, violent. De la même façon, quand un autre hôte prend le contrôle du corps de ce brave Nathaniel Wingate Peasley, il devient différent, il change de visage littéralement, et c'est un visage qui devient monstrueux. Donc le monstrueux ici est l'inhabituel. L'expérience de ce brave Nathaniel s'explique par une raison très simple. C'est un extraterrestre qui a décidé d'occuper son corps pendant un temps donné pour explorer l'époque.
Il s'agit de la race des extraterrestres des Ihi, quelque chose comme ça, la grande race, comme était appelée tout au long du récit, qui se projette dans le temps et dans l'espace pour pouvoir savoir les choses et ainsi accumuler du savoir. Ce qu'il y a d'intéressant, et c'est les passages dont je vais vous parler instamment, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il s'agit d'un processus à double sens. C'est-à-dire que tandis que l'extraterrestre, enfin, l'autre vient occuper le corps de l'être humain, d'un autre hôte, eh bien, celui-ci est transporté dans le corps de celui qui est venu occuper le sien. C'est un échange, sauf qu'au lieu d'être un échange de maison ou un échange de voiture, c'est un échange de corps, dont l'une des deux parties n'est pas foncièrement volontaire. Mais c'est un échange de corps aussi simple que ça. Le processus est expliqué par le narrateur lui-même, au chapitre 3 du récit, où il fait ce qu'on va appeler une enquête empirique. C'est-à-dire que, pris dans ses cauchemars, il va décider de s'interroger, il va décider de rechercher quelque chose, pour comprendre ce qu'il se passe. Et on a ainsi une opposition entre ce premier chapitre, ce chapitre 3, et la partie 4. En effet, ici, la monstruosité l'altérité se reconstruit à partir de preuves, à partir de signes, à partir de traces. Il s'agit d'un travail herméneutique avec un ton dépassionné. Et de la façon, le texte mime cette fin de passion en enlevant les adjectifs. Ces adjectifs dont je vous parlais tout à l'heure, qui surabondent chez Lovecraft, sont ici beaucoup moins présents, beaucoup moins marquants. À part un « unhuman » à un moment, qui exprime l'aliénation du langage qui était utilisé, on n'a pas autant d'adjectifs qui viennent affirmer une altérité radicale, cyclopéenne, horrible, etc., etc. L'exploration du narrateur est ici plus préoccupée par le temps et par l'échelle que par le monstre lui-même en tant qu'objet. Et c'est ainsi qu'on va avoir des références à des Stupefying Gulfs of Time, comment ça s'appelle ? Stupefying Gulfs of Time, au fait que qu'il s'agissait d'une race de choses qui a occupé la planète au long de cette longue carrière de la planète qui va être un habitat pour une énorme quantité de différentes espèces. Il s'agit pour le narrateur et pour le texte, en fait, et c'est là où on a une construction du monstrueux qui est intéressante à montrer, d'installer la possibilité de l'anamnèse qui va arriver après. On n'est pas encore dans l'anamnèse véritable du narrateur. Là, on est dans la recherche herméneutique. L'anamnèse du chapitre 4 va arriver. La description ici sert à préparer le terrain narrativement. Comme l'a fait le chapitre 2 en établissant le mécanisme de la possession, et en établissant la possession qu'a subi le narrateur, le chapitre 3 établit le fonctionnement et l'origine. On a ainsi une construction du monstre qui est une construction narrative, qui n'est à aucun moment une construction objective, c'est une construction structurelle qui repose sur des mécanismes très précis, ici des mécanismes de causalité narrative très simples. De la façon, quand on arrive à la fin du chapitre 3, on n'est pas vraiment prêt pour ce qui se passe. On devrait l'être en tant que lecteur et lectrice, c'est-à-dire qu'on devrait être prévenu et essayer de faire attention être éveillé pour le prévoir. Mais le chapitre 4 va commencer de la façon suivante. Après quelques paragraphes d'introduction, vous avez le narrateur qui vous explique que « The real horror began in May 1915, when I first saw the living things ». C'est-à-dire que ce qui vient de se produire, c'est que la connaissance empirique que le narrateur développait ne lui a pas permis d'être armé suffisamment pour faire face à ce qu'il va voir dans ses rêves, qui sont en fait des souvenirs. Le savoir permet pas, ne prédispose pas et ne suffit pas à l'anamnèse. Le savoir ne prépare pas. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est que le narrateur va s'apercevoir qu'il va être confronté à ces monstres. Et ces monstres vont être de plus en plus décrits, de plus en plus précisément, de plus en plus familiers. Et on a cette idée, on passe de
thin vapor has steadily grew more solid and distinct. Et il y a une phrase sur laquelle je voudrais, m'arrêter une seconde, où le narrateur explique qu'il les voit, il est capable de les regarder de plus en plus avec une certaine uncomfortable ease, une aisance inconfortable. Cet oxymore ici est pour moi cet oxymore est pour moi le lieu du monstrueux pour Lovecraft, c'est-à-dire l'irréconciliabilité des contraires. Et de cette façon, le texte nous montre ce qui pose problème, c'est-à-dire que quelque chose est familier, mais ne l'est pas en même temps. Quelque chose est présent, mais ne l'est pas en même temps. Et on est en plein dans ce que Freud a appelé l'inquiétante étrangeté, pardonnez mon allemand, die Unheimlich, qui est ce sentiment diffus qu'on est face à quelque chose qui est familier sans l'être. Cette uncomfortable ease. Mais pour autant, plus le temps aide, plus la familiarité s'installe, plus tout va bien. Et malgré une tentative de réification et de commodification de ces monstres, qui sont des monstres pour le narrateur, il les décrit tel quel, la description des Great Race est absolument effarante. Il essaye de les réifier pour en faire sens en les appelant des objets. Ça ne fonctionne pas. Et finalement, il s'y habitue jusqu'à les prendre pour des choses étant données. I ceased to be afraid of them, for they seemed to form supremely natural parts of their environment. Et là, il y a, selon moi, une autre clé du monstrueux pour Lovecraft. Le monstrueux n'est pas ce qui vient mettre en danger ou quoi, ce ne sont que des à côté. Le monstrueux est ce qui ne peut pas, ce qui ne s'inscrit pas dans sa propre réalité. Les profonds de Cthulhu sont monstrueux parce qu'ils n'ont rien à faire sur Terre. Les grands anciens sont monstrueux. Le Shoggoth est monstrueux parce qu'il n'a rien à faire en Antarctique. La couleur tombée du ciel est monstrueuse parce qu'elle n'a rien à faire sur Terre et elle cherche à en repartir. Et le monstrueux chez Lovecraft est ainsi non pas quelque chose de fondamentalement violent, maléfique, et on va bien se garder de ce jugement moral, le monstrueux chez Lovecraft est quelque chose qui n'a pas sa place à cet endroit-là et qui ne devrait pas être là. Le monstrueux est autre radicalement, mais autre par rapport à la nature et pas par rapport au percepteur, pas par rapport à l'observateur. Si le monstrueux n'était que dans la radicalité, l'altérité radicale de l'autre, alors le narrateur de The Shadow Out of Time ne devrait pas être capable de s'habituer, ne devrait pas être capable de ne plus être effrayé par ces monstres-là. Or, il n'en est rien. Ils s'y habituent et ils lui deviennent familiers, normaux. Ainsi, ce n'est pas l'altérité qui pose problème, c'est l'altérité dans son contexte. Quelque chose qui permet d'insister sur ce point, c'est que le narrateur va s'apercevoir au fur et à mesure de ce passage qu'en fait, des choses de sa perception posent problème. Il voit trop haut et trop loin autour de lui. Il écrit bizarrement. Il se déplace de manière étonnante. Et à un moment donné, il va se pencher sur lui-même et s'apercevoir qu'en fait, il occupe le corps d'un monstre. Nous, en tant que lecteurs et lectrices, nous savons déjà. Ça a été annoncé en chapitre 2 et en chapitre 3. Le narrateur, lui, se contente de faire son anamnèse, qui mène à une anagnorèse de sa propre reconnaissance en tant que monstre. Le narrateur s'identifie en tant que monstrueux. Il y a un double mouvement. Il identifie les monstres et ils deviennent familiers. Et à partir du moment où il se retrouve dedans et il s'identifie lui-même en tant que monstre, il est défamiliarisé par rapport à son apparence normale, par rapport à ce qu'il est, et ainsi devient monstrueux lui-même. La phrase qu'il exprime à la fin d'un paragraphe du chapitre 4 est la suivante. That was when I walked half of Arkham with my screaming as, I quote, I plunged madly up from the abyss of sleep. Et cette idée de plunge madly up, elle est extraordinaire parce que c'est encore une fois un oxymore que le texte nous propose pour exprimer l'irréconciliabilité de la notion. Le monstrueux gît ici,
dans cette irréconciliable chose, dans cette notion qui ne peut pas faire sens parce qu'elle ne marche pas. Malgré tout, encore une fois, le narrateur s'y habitue, et je vais terminer mon intervention sur quelque chose qui va nous permettre de mettre en contexte de nouveau cette idée de monstruosité. C'est que cette race d'aliens, cette race de monstres extraordinaires, cette race de monstres auquel le narrateur vient de s'identifier et qui lui a fait si peur, est effrayée par une autre race de monstres. Et là, on pourrait se dire que le texte nous le dirait simplement, nous glisserait, eh bien, il y a une autre race de monstres, ils en ont peur, ils vont se faire bouffer, et puis basta. Pas du tout. Le texte, stylistiquement, déploie exactement et rigoureusement les mêmes mécanismes d'adjectivisation et de contraire pour décrire les monstres qui effraient les monstres. Le monstrueux, ainsi donc, n'est qu'une question, non pas de point de vue, mais une question de lieu. Et ainsi, à la fin du chapitre 4, on retrouve « Horrible Elder Race, Utterly Alien Entities » à tel point que « Such was the fixed mood of horror that the very aspects of these creatures were left unmentioned. » Le racisme de Lovecraft, cette peur de l'autre, cette peur de la déformation, cette peur très victorienne de la dégénérescence, est inscrite même dans les monstres qui craignent d'autres monstres et qui ne peuvent pas les voir, qui ne peuvent pas les imaginer, car ils sont trop indicibles. Le mécanisme de la monstruosité, ainsi, tel que le montrent les deux textes, La couleur tombée du ciel et The Shadow of Time, Dans l'abîme du temps, Dans l'abîme du temps, montre deux choses très simples. La reconstruction, c'est-à-dire le récit, l'anamnèse dont on vous a parlé tout à l'heure, et la reconnaissance que le monstre, en réalité, n'existe que à un moment donné, par rapport à une donnée particulière, et qu'il n'y a jamais, malgré le cycle de Cthulhu avec Derleth, dont il faudrait reparler, il n'y a pas, chez Lovecraft, de jugement moral. Le monstre est monstrueux parce qu'il n'est pas à sa place. Chez Lovecraft, la monstruosité est avant tout une affaire de place, une affaire de positionnement. Et ce positionnement pourrait nous interroger culturellement. S'agirait-il d'un positionnement social, d'un positionnement culturel, d'un positionnement forcément chez Lovecraft, d'un positionnement raciste? Tout ceci vient nourrir la monstruosité chez Lovecraft, qui est en fait une question d'être à sa place. Merci de m'avoir écouté. Je vous en laisse ici. Au revoir. Bonne continuation.